l'œuvre parle directement aux éditeurs. À quoi ça sert la médiation culturelle? Très bonne question. Beaucoup de réponses possibles. Moi, je m'intéresse particulièrement aux espaces immersifs, que ce soit des architectures, des lieux extrêmement construits, d'art immersif. Une certaine partie de la commission est très très attentive à l'égard du public, comme par exemple la forêt de la scène qui fascine à la fois les intellectuels, les critiques d'art, mais aussi un public extraordinairement large, et à travers tout un ensemble de livres de dispositifs, de facilités, de sensations, tous les sens sont mobilisés, et parfois même la perception de l'espace autour, comme le film, en fait des expériences sensorielles immersives très intéressantes, pas de médiation nécessaire, mais possible. En revanche, la famille de parler du musée de la figure et de tout ça, pour la plupart des gens, parce que les autres